Hello, bonjour, c'est toujours Cathy. Aujourd'hui, je vous montrerai toujours sur votre boîte Gmail comment créer des contacts et des groupes de contacts afin de pouvoir envoyer un mail à plusieurs personnes. Mais pour l'instant, je vous montre comment on peut aller chercher nos contacts et les créer. Ici, vous avez Gmail, comme vous pouvez le voir en dessous Google. Vous cliquez sur la petite flèche qui se trouve ici avec le bouton gauche de votre souris et vous cliquez sur Contact. Il n'y a pour l'instant aucun contact. Le but est d'ajouter en contact Bibi Fricotin et Robin des Bois. Donc on va cliquer sur Nouveau contact ici, mais vous pouvez aussi ajouter à mes contacts en cliquant sur le plus ici. C'est vous qui voyez comme vous voulez. Moi, je vais cliquer sur Nouveau contact, ce qui revient exactement au même. Et vous avez ici. On va écrire Robin. Excusez-moi, Rona. Robin Desbois. Qui sera mon premier contact que je vais ajouter. Et j'indique bien évidemment son adresse mail. Robin Desbois. Outlook.fr. On fait bien attention de mettre comme il faut l'adresse mail et c'est robindebois250@outlook.fr. Vous pouvez bien évidemment remplir les autres champs si vous le souhaitez et ajouter une note si vous voulez pour ce qui concerne Robin des Bois. Moi je n'ai rien à mettre, hein, ce n'est pas obligatoire et vous ajoutez. Ainsi, enregistrement en cours. Ici vous voyez mes contacts, un petit 1. Ça veut dire que vous avez bien mis votre premier contact dedans. Et je continue. Nouveau contact. Je vais rajouter Bibi Fricotin. Donc je vais mettre Bibi et je vais mettre l'adresse mail ici. Bibi Fricotin 50 @yahoo.fr. On met bien l'adresse comme il faut, on peut remplir les champs, effectuer une note si on veut, pas obligatoire, et j'ajoute à mes contacts. Vous voyez entre parenthèses deux contacts. Donc, vous pouvez toujours, avec nouveau contact, toujours ajouter le nom de contact que vous avez besoin, le nom et son adresse mail, etc. et dire ajouter. Jusque-là, tout va bien. Je vais donc cliquer sur mes contacts ici et vous voyez bien sur Gmail mes deux contacts qui se sont rajoutés. Il y a toujours possibilité d'ajouter à partir de là, hein, un nouveau contact sans aucun problème ou en cliquant sur nouveau contact. Je vais sélectionner mes deux contacts et je voudrais mettre ces deux contacts dans un groupe de contacts. Ici, juste à côté de Ajouter à mes contacts, vous avez Groupe. Je clique donc dessus et je vais créer un groupe Amis. On va dire que Bibi et Robin des Bois sont mes amis et je fais la touche Entrée pour valider mon groupe de contacts. Vous pouvez donc ici, le voir, mes contacts que j'ai sélectionnés ici sont effectivement dans le groupe Amis. Je clique sur Amis. Pour créer un nouveau groupe, il suffit de cliquer sur mes contacts. Je décoche les contacts qui sont ici puisqu'ils sont déjà dans mon groupe Amis et je peux demander d'ajouter un groupe de contacts. Alors par exemple, je vais cliquer ici, ajouter un groupe famille, par exemple, si vous souhaitez mettre le contact de votre famille, la touche Entrée, et je rajoute nouveau groupe. Ici, j'ai mis Bibi dans le groupe famille, on le voit ici, il suffit alors de cliquer sur le groupe famille.
On voit bien ici que sans, par mégarde, j'ai mis Bibi dedans, mais Bibi ne fait pas partie de ma famille, mais de mes amis. Pour le supprimer, il suffit de cliquer sur la petite carré que vous avez là, et on va pouvoir supprimer ce contact. Voilà, sur le plus ici, vous avez supprimé le contact. Je clique sur mes contacts, il ne me reste plus qu'un, car j'ai supprimé le contact Bibi Fricoton. Je veux rajouter dans le dossier Ami un contact, il me suffit de cliquer sur le plus, de mettre Bibi Fricotin que j'ai ici, et je l'ajoute. Le voilà. J'ai donc bien dans mon dossier Ami mes deux contacts, Bibi Fricotin et Robin Lebon. Voilà comment ajouter des contacts avec des groupes de contacts dans votre boîte mail Gmail. À la prochaine, je vous montre un prochain tutoriel pour écrire un mail à plusieurs contacts, à un groupe de contacts. Pour supprimer le groupe famille, par exemple, je n'ai rien de parents, je veux supprimer ce groupe-là, je vais cliquer donc sur le groupe. Je clique sur le plus et je peux soit renommer le groupe autrement, il suffit de mettre un nom et de dire OK, je vais annuler ici, soit cliquer sur le plus et supprimer le groupe et dire OK, sachant que je ne vais garder pour l'instant que le groupe ami. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel sur